Aujourd'hui, on va faire la confection de l'huile de coco, fait artisanalement. Donc, du coup, pour la base, pour faire l'huile de coco, il faut aller chercher des cocos. Voilà, on a les cocos qui sont cocotiers qui sont juste là. Donc, on n'a plus qu'à aller se servir. Les cocos, ils sont tombés là. Du coup, on va aller récupérer les cocos qui sont au pied du cocotier. On commence à ramasser les cocos. Du coup, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait du jus à l'intérieur. Voilà, c'est les cocos avec du jus qu'il faut utiliser, non les cocos germés. Généralement, j'ai fait à peu près 3 voyages pour faire 60 cocos. Donc là, je vais juste on repart à la maison pour la confection de l'huile. Et du coup, on vient, on va éplucher le coco. Et on va appeler ça débourrer la noix. Donc du coup, on va enlever les épluchures. Voilà, c'est tout bien avoir les ustensiles pour l'épluchage, quoi. Voilà, la plus simple, c'est d'avoir des ustensiles comme la barre à mine pour éplucher les cocos. Donc voilà, on a vu le jus là qui est sorti et la chair qui est là. On a une demi-heure, 3 quarts d'heure pour râper les cocos. Ensuite, pour le pressage, en fait, avec la machine d'extraction, on met une heure à peu près, donc ça fait 1 heure et demie en tout pour confectionner le râpe à coco, du coco qu'on a cueilli jusqu'à le lait de coco. Il faut attendre 48 heures. Donc 48 heures à partir du moment où vous avez mis le seau à l'intérieur de la case. Et après ça, et bien du coup, on va faire le feu. De manière à ce qu'on soit dans la bonne température, une température ambiante. À plus de 20 degrés. Il faut vraiment attendre 48 heures pour pouvoir bien voir les 3 couches qui vont se former. L'eau, l'huile de coco vierge et la protéine de lait. 48 heures après, on va enlever le couvercle. Donc, on va enlever le couvercle et ensuite enlever aussi la protéine de lait qui est au-dessus, la gauche, la couche qui est assez grasse. Et après, on récupère l'huile de coco avec une louche. Une fois que j'ai extrait l'huile de dedans, et bien, du coup, on obtient ce liquide-là. Donc, du coup, je récupère une bouteille de Mont-d'Or, je la sectionne, je la coupe au milieu. Je rajoute un coton qu'on achète à la pharmacie ou à un magasin. Je mets le coton qui va permettre de filtrer ce liquide-là et d'obtenir le produit fini qui est ici. Donc là, on a fini la première tournée de filtrage. Du coup, on va mettre en bouteille. Du seau jusqu'à la bouteille, on est passé par toutes ces étapes-là. Et on arrive sur le produit fini. Et là, on peut vendre le produit de l'huile de coco vierge.